Et nous sommes repartis, nouvel épisode, nouvelles aventures. Alors, aujourd'hui nous allons partir en aventure dans la nouvelle zone de l'autre côté de la prison. Comme on a dit la dernière fois, on va faire ça. On a vu qu'il y avait une... Ok, il n'y a plus d'eau dedans. On a vu qu'il y avait... Ok, très bien, on va en prendre un. Ok, très bien. 2, 3, 5 kilos, on va manger ça, on a encore 20, ok, très bon, yes, on n'a même pas froid, on est bon, on n'a pas de bois, par contre on trouvera du bois sur le chemin, c'est pas grave, ok, let's go, charbon 5, 5 ça fait 16, je vais voir un peu, c'est peut-être un peu beaucoup 16, pas ici, ici charbon. Putain, cette chape-là. Vite, très bien. Let's go. C'est parti. Oui, parti, allez, 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 allez. On y va, on y va. Il fait pas froid en plus, donc on va se bouger les miches. Par contre, il fait presque nuit. C'est presque nuit. Hop, let's go. Ce serait bien qu'on puisse allumer la lampe pendant qu'on marche aussi. Ça perdrait moins de temps. Il fait presque nuit. Donc, du coup, on commence à switcher en fait notre jour et notre nuit. J'avais un peu peur de ça. Je pensais que ça allait arriver plus tard. Mais on a fait de la merde. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Donc on va avancer. Par contre, ce qui est bien, comme j'ai dit, c'est qu'il fait pas très froid. Donc on va pouvoir se balader. Après, on a toujours un problème, c'est les loups gris. Il y a que de ça partout. Donc ouais, un peu un problème ça. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. On devrait mettre une flèche aussi ici. En fait, pour dire que c'est le chemin. La première porte là qu'on vient de passer. Mais ouais, non, sinon le but là ça va être de vraiment d'essayer d'explorer la nouvelle zone. Enfin ce côté. Le côté de la centrale. En gros, voilà. C'est vraiment de faire ça. Après, un truc qu'on peut faire aussi, c'est de dormir dans la centrale. Hein. Parce qu'on a le sac de couchage, donc à la limite, on s'en fout. On peut rester sur place. C'est pas grave. En plus, on a tué un loup. On pourrait récupérer sa viande. Faut récupérer du bois aussi. Faut récupérer du bois. Ah, et on est nickel. Ouais, non, non, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est qu'on est à l'abri à chaque fois ici. C'est ça qui est bien. Voilà, même pas froid. J'ai rien dit. Il fait froid. Très très chiant à fermer ces portes. Genre lui. On va peut-être faire ça à un moment. Pas maintenant, mais après. Alors attendez, on va peut-être laisser ça ouvert si jamais on doit faire demi-tour rapide. Alors cette fois, je voudrais passer par la gauche. Enfin, quoique, on pourrait prendre... Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait prendre la corde à droite. Merde. Toucher lui. Ah, hémorragie. Bouge pas, on est bon. Oh.
Un peu embêtant de les voir gogoliser comme ça. Sinon les vêtements ça va. Ouais ça va. On a pas froid, ça va. Merde. Allez. Ok, on va pas faire ça. On va juste tirer là. Ça fait un. C'est une flèche perdue. Deux. Ramène-toi, genre, là, je suis au bord, là. Une tempête qui se lève. Vous me faites chier. Ah, il y en a un qui est mort, je crois. La barre est descendue. Merde. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont relous. C'est bon, ils sont partis. Okay. Ça veut dire qu'ils sont morts. Les autres. Ça veut dire que les autres sont morts, morts de saignement. Il y a au moins deux cadavres. Il y a au moins deux cadavres qui traînent. Alors, risque d'entorse, risque d'hypothermie. On est bien, on a perdu un peu de vie, c'est pas grave. On peut dormir. Histoire. Enfin ouais, mais il fait encore un peu jour. J'ai pas vraiment envie de dormir en fait. Mais bon, ça nous permettrait de récupérer un peu de vie. Allez, on va le faire. Ok, on est bon. On va explorer du coup. On va explorer parce qu'on a, tué la vague. Voilà. On est à fond. On a récupéré un tout petit peu de vie. Faudra vérifier pour les vêtements s'ils sont abîmés ou pas. Ah, ça va, il fait pas trop froid. Il nous reste 17 flèches. On a deux flèches à trouver. Je vais être honnête, ouais, on a deux cadavres qui doivent traîner. Ah bah voilà, hein. Pas de flèche. J'ai trouvé la flèche ou pas? Non, j'ai pas de flèche. J'ai pas de flèche. C'est embêtant ça. Ouais, on va peut-être pas trop... Bon, c'est pas grave, on va peut-être pas trop traîner non plus.
mais c'est embêtant. Ce qui est marrant avec les loups gris, c'est qu'une fois qu'ils sont plus en meute, en fait, bah du coup, en fait, ils ont peur, automatiquement. Ah, là-bas. Je regarde s'il n'y a pas des flèches sur les... Ouais, donc ça, ça doit être les pas de l'autre, celui-là qui a envie, en fait. Ah, flèche, flèche, flèche. Très bien. Ok. Très bien. Oh, là, là, là. Ah, peut-être que l'autre, c'est celui-là. Je crois qu'on a une flèche cassée. Ah, on a fait le ménage. Hein. On a de retour. Je crois qu'on a une flèche cassée. Ouais. Donc ça, le premier cadavre, c'est la... c'est celui-là qui s'est fait toucher par la flèche cassée, je pense. Genre, les flèches cassées, elles restent pas sur les cadavres, sur les corps. Elles cassent directement, en fait, quand elles touchent. Donc du coup, c'est sûrement ça, ce qui s'est passé. Et là, on a trouvé les deux autres flèches. Donc c'est très très bien. Par contre, je voudrais bien trouver un endroit pour s'abriter. Après, il fait pas extrêmement froid non plus. Oh, là-bas, corde. Ok, ok. Donc on peut dépecer les corps qu'on a. Ok, le vent il s'est arrêté, c'est très bien. Ok, là on a un chemin, on a une route. Ok, on va peut-être prendre la route. J'ai envie de dessiner ici, honnêtement. Ça, c'est pas mal, là. Ok, très très bien, très bien. Ok, on va redescendre. Pourquoi on sent... Ah oui, oui, ça, je vais manger. J'entends un loup. Ok, on est bon. Par contre, j'ai peur que s'il nous bump, s'il nous touche en fait, il va nous faire des dégâts automatiquement. Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas s'il faut qu'il soit en mode d'attaque vraiment ou pas. Attendez, il y a des... on dirait qu'il y a des objets. Là. Par contre, faut faire attention de pas tomber dans les rapides. Yeah, ok, bon, je m'approche pas, il y a rien. On se casse. Parce que là, je crois que... Oui, non, là, c'est la mort, là. Là, c'est pas... C'est comme tomber dans l'eau, en fait. Oui, c'est vrai que... Bon, là-bas, on a une corde, donc, on avait vu. Oui, une corde, là. Donc, il y a un chemin, là-haut. Mais moi, je vais... Je vais continuer le long de la route. Voilà. On va faire ça. Continuer le long de la route. Comme ça, c'est simple à trouver. On va plus vite en marchant. Ça aussi, hein, dans la neige, on va moins, on est plus lent. Hein. C'est tout bête. Hein. Mais on est plus lent. Ok, on a un passage en haut. Ah, on dirait qu'il y a des... Il y a un grillage. Il y a sûrement une habitation, quelque chose là-bas. Ouais. Dans ce petit chemin-là. On va y aller. Si jamais c'est un cul-de-sac, ça, on retourne et on va à droite. C'est quoi ça? C'est encore un éboulement? J'avance un peu vite hein, parce que il fait froid quand même. Hein. Donc on va pas rester longtemps non plus. Merde, un ours. Fais chier.
Attends, si j'arrive à monter là. Pleine tête. Ah, c'est pas le moment, hein, la tempête. Ok, on peut passer. Parfait, yes! Putain, je suis trop fort. Ok, j'ai eu un peu peur quand même, faut l'avouer. Tout petit peu, tout petit peu. Mais on va dire quand même que j'étais assez confiant. Parce qu'on lui a mis quand même une flèche dans la tête. Donc j'étais assez confiant qu'il allait mourir très vite. Quand même, ça va. On va passer par le chemin qu'on a vu, voir s'il y a un abri. Sinon, on va... Sinon, on va avoir froid. Bon, on a un ours. On a des loups. Parce que, bon, on est archerie 5, quand même. Hein, donc, les critiques, ça tape bien. Ça sort souvent. Ouh, yes, parfait. Ouh, bien, bien, bien. Les critiques, ça sort souvent. Le saignement, genre il saigne 50% plus vite. Enfin voilà, c'est un. On n'est pas... Hein, on est un peu Robin des Bois, j'ai envie de dire. Hein. Robin des Bois, pas Junior en plus. On est un peu Robin des Bois, on tue tout le monde. On tue les animaux extrêmement facilement. On est un... On est un très bon chasseur. Donc je suis pas étonné, voilà. J'étais assez confiant. Le pire ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il nous fonce dessus. Du coup, il nous aurait pas tué, honnêtement. Je pense pas, avec cette vie qu'on a et la défense qu'on a, il nous aurait pas tué. Mais il serait mort pendant l'animation. On a déjà eu ça, genre des loups et tout qu'on tue ou qui meurent de saignement pendant qu'ils nous mangent. Donc du coup, voilà, c'est déjà arrivé. Donc voilà, très bien. On a trouvé un endroit pour dormir, ça tue. Ça tue. Ouais, enfin, ça sert à rien pour nous. Un truc intéressant, c'est qu'on a un ours juste à côté, du coup, enfin, pas très loin. Donc, du coup, on pourrait en faire du shish kebab et avoir des steaks de 1 kg. Des steaks de 1 kg qui font 1200, je crois. 1200 de calories. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors attends, ce que je voudrais... Voilà, je voudrais faire ça. Yes. Donc notre truc est là, notre ours. Alors fais voir un peu à quoi ça ressemble ici. Il faut du bois. On a un bâtiment là-bas. Oui, je sais, je sais, je sais, t'as froid. Très bien. Il y a le pardon, le signe genre fouillé, genre pour dire qu'on a fouillé quoi. Ça sert à quoi en fait, si on est réfléchi 5 minutes. On va peut-être manger ça.
Genre, si on y réfléchit 5 minutes, ça sert à quoi de dire qu'on a fouillé? Parce que si on a vu un endroit, il va être sur la carte. Et puis on va se rappeler qu'on est venu ici. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu étrange d'avoir le... Je pense que ça manque. Ça manque de signes, en fait. Comme on en avait parlé de ça dans la dernière saison. Ok, on est bon. T'es à combien? T'es à 46 kilos, ça va très bien. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Parce que je suis curieux. J'espère qu'il fait... qu'on y voit quelque chose. D'accord, on y voit strictement rien, c'est cool. Chier. Je suis quand même curieux. C'est haut ou pas? J'ai l'impression que c'est haut. Il y a de l'eau en dessous ou pas? J'ai l'impression. Je sais pas, c'est tout noir, je vois rien. Alors... Moi, après là, je suis en train de rechercher surtout des... Ouais, des bois pour faire des flèches. C'est surtout ça que je veux. C'est quoi? C'est rien. Une sorte de petit chemin ici. Ah ouais, c'est grand. Ah ouais, quand même. J'arrive pas à distinguer. Ça monte, ça descend. Ok. Parce que je veux voir si on peut continuer de ce côté ou pas. Ah là c'est l'eau là. Non. On peut monter? Je suis désolé, on voit pas grand chose. Hein. Mais tant qu'on n'a pas trop froid, je veux un peu cartographier dans ma tête. Comme ça, on voit un peu où est-ce qu'on va aller. Il n'y a pas de lapin, rien ici. C'est un peu pourri comme endroit. Ok, là, on est très haut, par contre. Il faut du bois aussi. Il faut beaucoup de bois. Oh, 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 je vois un bois devant. Je sais que vous voyez sûrement pas grand-chose. Moi, je vais être honnête, moi non plus. Je distingue des formes. Ah, ça, c'est pour faire un arc. On va descendre. Il faut pas se louper parce que c'est vrai que c'est blanc, je vois rien. Et pour voir les reliefs, hein, c'est la merde des fois. Oui, j'ai vu. Ok, on est de retour là. Ok, très bien, on avance. Honnêtement, je suis un peu, je dois dire, je suis assez content pour le, pour l'ours. Hein. Je vais pas cacher que je suis très content pour l'ours. Recycle ça. Maintenant, en fait, le plus sage, ce serait de faire du bois. Honnêtement, le plus sage, c'est ça. Faire du bois, aller dépecer l'ours directement. C'est honnêtement, c'est le plus sage à faire. Parce que un ours, ça court pas les rues. La peau, ça met 50 ans à sécher. Donc, honnêtement, c'est le plus sage. Parce que de toute façon, je vais commencer à tomber à court de nourriture très vite. Et j'ai pas envie, en fait, de me taper le chemin inverse. Je veux rester un peu ici, le temps qu'on explore et tout ça. Le seul truc con, c'est qu'on n'a pas le fait-tout. Mais comme j'ai dit, le fait-tout, il est lourd. Mais ce serait bien d'en retrouver un, comme ça on en laisse un ici. Mais après on a les canettes, pas grave. Ça on n'en a pas besoin. Alors, je sais qu'on n'a pas grand chose, mais... Attendez, on n'a pas d'établi là, hein. On va poser des choses par terre.
Ben j'ai rien à déposer en fait. Juste ça. Parce que ça c'est 0,25, c'est chiant. Voilà. On peut dormir. Non, ce que je voudrais faire c'est casser. Attendez, je vois pas grand chose. 2h30. On peut le faire pendant la nuit? Putain, maman. Évidemment qu'on peut pas. Parce que je pensais. On peut coudre par contre pendant la nuit, hein? On est d'accord qu'on peut toujours coudre. Alors, attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est abîmé? Parce qu'on est. On s'est fait taper un peu par les loups. Non, et pas grand chose. On peut coudre? Non, on veut pas coudre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la nuit? Je me rappelle pas. Ah oui, genre les lapins, tout ça, là. On peut dépecer et tout dans la nuit. Ça, y a pas de problème par contre. Bah du coup, bah merde, qu'est-ce qu'on fait? On dort? Attendez... ça... je crois qu'on va dormir. Mais elle est pas super fatiguée. Ah oui, on a récupéré ça, de l'antiseptique. On va aussi le poser. On l'a récupéré où ça, l'antiseptique? Aucune idée, je me rappelle plus du tout. Ouais, alors, dormir, fais voir. C'est juste pour faire passer la nuit en fait. Mais on va se réveiller en pleine forme, on va se réveiller en pleine forme. Parce qu'on n'est pas assez fatigué. On va réveiller en pleine forme, et voilà. Bon après, s'il fait pas trop froid, ça va. Allez, vas-y. L'heure de vérité. Il fait très froid. C'est cool. Est-ce qu'on a du bois qui traîne? Il me faudrait beaucoup de bois, en fait. On va faire le tour du périmètre. Pour... waouh. Le son qui s'arrête comme ça, de l'eau là. On va faire le tour du périmètre, pas loin. Oh. Ouh, DB. Yeah. Là, c'est bien ça. Genre les petits bois, comme ça. On pourra faire un feu à côté de notre ami Winnie l'ourson. Eh oui, il fait froid. Les étagères, c'est quand même très long à casser. Hein. 2h et quelques. 2h30, je crois. Donc honnêtement, c'est un peu chiant. Mais au moins, on récupère beaucoup de bois, en fait. À l'abri. Mais c'est vrai que c'est long, quoi. Ah, il fait un peu moins froid. On va redormir une heure. Ça, c'est là, c'est fatigué. Sinon, on attend. Ouais, on va faire ça. Ok, maintenant on dort. Yes. Voilà. Est-ce que... tu vas pas vouloir, hein, on est d'accord. 1h50, celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Est-ce qu'on a assez de bois? Parce que c'est vrai qu'on est niveau 4, 5, pardon. Donc à la limite... notre feu dure longtemps, mais bon, je veux pas... je veux pas tenter le diable non plus. Ouais, nous on est là. Je veux pas qu'on tombe à court de feu... à côté de l'ours. Enfin après, il y avait l'air d'avoir pas mal de bois un peu partout. Donc bon. Désolé, je sais pas quoi faire. Je crois qu'on va juste attendre en fait. On va juste attendre. Ça va pas vouloir. On va juste attendre. On va faire ça. Une heure d'attente. On va pas
fatigué. Est-ce que maintenant tu veux... Yes. Très bien. Et on a récupéré... 6. 6 c'est bien ça. 6 c'est bien. Ça là. Ça là. Très bien. Est-ce qu'on a besoin de faire l'autre étagère? Honnêtement, on n'a pas besoin de faire l'autre étagère. C'est bon, allez, on se casse. On y va. Alors, est-ce qu'on coupe le machin en sac? On n'a pas beaucoup de bois comme ça, en fait. Attendez. Ah, peut-être faire l'autre étagère. Est-ce qu'on coupe l'ours en sac ou pas? Telle est ma question. Man, this pack is getting kinda heavy. Ah, il fait beau en plus, on peut explorer, il fait chier. Sérieux? Merde! Putain, merde. Bien. C'est bon. Putain, il nous aime pas. Hein. Il nous aime pas. Dans les vêtements. C'est fait un peu. On s'est fait un peu trop bump. Et là on va me dire, bah oui mais bon, si t'avais un gilet pare-balles, lol, ça serait mieux. Lolilol, ce serait beaucoup mieux avec un gilet pare-balles. Oui mais bon, ça pèse 3 tonnes. J'avoue que là, on n'avait pas besoin de bouger, là c'était nickel, je suis complètement d'accord. Mais bon, ça va, on n'a pas pris cher. Après une question, alors honnêtement je pense pas, hein. je pense pas qu'il y a cette mécanique en fait dans le jeu. Est-ce que le gilet pare-balles va protéger les vêtements vu qu'il rajoute de la défense? Moi je pense pas, je pense que la protection en fait fait en sorte seulement de prendre moins de dégâts. Après les déchirements et tout, je crois que c'est complètement aléatoire. Donc au final, moi ce qui m'embête le plus c'est les vêtements en fait qui sont déchirés, c'est ça qui me fait chier. Ok, là. Alors, attendez, est-ce que je voudrais bien me placer pour le feu? Alors, si je me mets là, je peux faire carcasse. Ici, on va mettre un feu. Là, il devrait être protégé du vent. Zéro! Ah, tu fous de moi? Pourquoi zéro? Il fait pas assez... Oui, non, il fait pas assez lumineux, en fait. Ouais, je... Voilà.
Mais je vais être honnête, hein. Moi, je préfère combattre les... Je préfère combattre ces loups-là. Hein. Alors, je sais qu'ils sont quand même... Enfin, après, c'est parce qu'on est bien équipé. Hein. Si on n'avait pas autant de flèches, si on n'était pas aussi bon en archerie et tout, on passerait un mauvais moment. Là, je veux pas dire, mais nos flèches commencent à descendre très vite, hein, au final. Hein. Donc, faut faire attention, quoi. Voilà, déjà, je voudrais prendre ça. Oui, du coup j'avais fait ça. Mais... Ça tu vas te mettre là. Ah, 2 kilos de viande, très bien. Je me demande si je peux drop any of this gear. Ah, il dégèle, ça va. Je pensais, honnêtement... Pour moi, il était trop loin du feu. Pour moi, il était vraiment trop loin du feu. En fait, non, pas du tout. Pas du tout, mesdames et messieurs. Nous, on est en plein milieu. 50 minutes. Attends, c'est quoi, 50 minutes, c'est ça? 55. Ah ouais, on récupère la viande méga vite en fait. Je suis en train de remarquer. Donc on continue encore. Très bien. Oui, non. Je pensais qu'on pouvait faire deux steaks avec aux mains, mais en fait, non, parce que le truc, il est... Il est même pas... Tu vois, 24, 40, 30... Ah, parce que le truc, il est pas gelé, rien, donc c'est tranquille. D'abord faire un peu de viande, 50, 50. Et après pour le couper c'est quoi? C'est 2 heures, ah c'est tout le temps 2 heures, ça fait chier ça. Pour les boyaux, on peut le faire avec quoi? Genre 20 minutes, genre là on fait quoi? 1h45 pour 10 boyaux, parce que c'est les boyaux en fait que je veux récupérer après, les boyaux c'est important. Je veux couper la viande, même si on la cuit pas toute, maintenant... au moins on en aura un peu d'avance, c'est ça surtout qui est important. Merde, il n'y a plus de feu. Ah, le vent. C'est ça. Le vent a bougé en fait. Ah putain. Tu me fais chier. T'es bon là? On va voir. Ouais, ça va être bon ça. Bah au final, oui.
On a bien placé le feu en fait. On va pas trop mettre de... Voilà, 2 heures. Attends, on va pas trop en mettre. Parce que sinon, si le vent souffle en fait dans la mauvaise direction, après on est niqué. Qu'est-ce qu'on fait? On va un peu plus vite, on utilise le couteau. On utilise un peu le couteau pour aller plus vite. C'était quel morceau de viande qui était déjà entamé? C'est celui-là. Ça on pourra le prendre, ça on pourra le prendre. Honnêtement, il pourrait refaire la texture des viandes parce qu'elle est vraiment pas belle. Ah, il paraît... Tiens, oui, ils en ont parlé dans la mise à jour, dans la dernière mise à jour, celle qu'on est en train de jouer, quoi. Que peut-être ils vont mettre le jeu à jour graphiquement. Genre pour nouvelle génération, ils parlent. Bon. Ça veut tout et rien dire, hein, on est d'accord. Je sais même pas s'il sera sur PS5 ou quoi que ce soit, le jeu. Mais ils ont parlé de ça, du fait que ils vont mettre le jeu à jour graphiquement à un moment. Bon, après, c'est une idée, s'ils l'ont dit, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, j'en sais rien, mais ça peut être intéressant. Alors, on va prendre les boyaux. 5. Meurs. Je veux pas dire, mais j'ai mis le feu au bon endroit. C'est vraiment parfait en fait. Nous, ça nous maintient au chaud, on est nickel. On fait quasiment toute la viande tranquille. On a récupéré les boyaux. C'est tout nickel. C'est tout parfait. Pour le moment, pour le moment. Conserve recyclées, ils sont là. De l'eau, on en a encore. Pour le moment, ça va. Par contre, elle commence à être bien fatiguée. Je pense que je vais rester là tout le temps encore. Le plus possible. Dans l'espoir, en fait, que la tempête s'arrête. Si jamais, après, elle fait fuir le feu. Oui, je viens de le dire. Bah on se casse hein, évidemment, mais j'ai pas envie de me balader en fait avec la tempête quoi. Même si on n'est pas loin du bungalow là, du mobilhome pardon. À chaque fois je dis bungalow, je vois. Je préférerais ne pas bouger. Ouais, je préférerais ne pas bouger du tout en fait. Ah, je vois plus de lumière. Je vois plus de lumière. On est un peu lourd. Non, on est un peu lourd. Ok. Pas le temps. Là mais t'as vu la tempête qu'il y a? Casse-toi, rentre chez toi. Honnêtement, t'as l'air tellement sympa, le loup. Je te prendrais même dans le mobilhome. Je suis parti dans la bonne direction.
Oui. Oui, on est bon. Bon, après, oui, je comprends peut-être que tu veuilles pas me suivre, hein? Vu les cadavres qu'il y a devant, ouais, je comprends. Ouais. Je comprends que ça soit un peu intimidant pour toi. Je comprends. Tout à fait raisonnable. Parfait. On va manger ça. 1125. Ouais, c'est 1200, c'est l'élan qui donne 1200. Très bien. On va ressortir pour poser les viandes. Okay, très bien. Et on va déposer la peau. C'est assez important. Voilà, c'est bien. La peau, elle pourra souffler un peu. On va pas full dormir. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'arrêter là. En fait, j'ai envie encore de faire les allers-retours. Récupérer la viande, en fait. C'est peut-être un peu greedy de faire ça, mais... On va voir. Hop, pardon. J'ai envie de la mettre chez nous, en fait, la viande. Ok. Mais à 40 kilos. Okay, go. C'est là qu'on se fait choper par un loup. Que le machin il nous on a plus de d'armes pour genre pour repousser l'assaut. Si on a les 10 boyaux aussi à prendre, il faut qu'on les fasse sécher. Ça va nous permettre de raccommoder tous nos vêtements en peau. Il reste quoi dessus? Encore 8 kilos de viande. Eh, on est nickel, 50 kilos à peine. Parfait. Là, on fonce, on court parce que de toute façon, on va dormir après. On va dormir, on va finir la nuit, quoi. Ouais, bah c'est nickel, ça sera un bon épisode, je pense. On a bien avancé, là on a récupéré pas mal de viande. Le truc bon c'est que la viande elle est super loin de notre camp principal, mais notre camp principal c'est pas vraiment... Enfin la prison, on va pas dire camp principal. C'est loin de la prison, mais à la prison on a... Il y a encore un loup qui traîne. On a des loups, enfin on a encore de la viande et tout. Même là on a encore plein de viande, on a les loups. On pourrait faire les loups hein. Ah c'est la peau de loup peut-être. On va voir, on va se réchauffer et on va peut-être faire la peau de loup. Est-ce que c'est utile? J'ai envie, honnêtement. Est-ce que c'est utile de faire de la peau de loup? On s'en fout, quoi. On s'en fout de la peau de loup en fait. À moins qu'on veuille faire des vêtements. C'est quoi déjà les vêtements de loup? Ça fait quoi? Est-ce qu'ils ont changé les pourcentages? Genre 90%, 20%, ça fait 3, 5. Manteau en peau d'ours, ça reste le mieux. Ouais, c'est 5.
Là, c'est 5 kilos. La cape, c'est 4. 20%, 10%, 15%. La peau des lins est plus résistante. Elle est plus... Elle est mieux... Elle est plus étanche. Non, mais je regardais le vent, pardon. C'est 6 degrés. Et là, c'est 300. Ouais, non, c'est le double, en fait. Un peu moins du double. Non, ça vaut mieux quand même de rester en manteau d'ours. Et le manteau de loup, c'est 4. 15, 20%, 12%, 15%, 5 kilos au lieu de 3. On perdrait 2 degrés pour un peu de... Il faut 4 peaux de loup. On perdrait 2 degrés. Ouais, c'est pour se déplacer un peu plus facile. Non, ça c'est beaucoup de travail pour se déplacer, genre pour gagner 2 degrés. Pour gagner, pardon, 2 kilos. C'est ça, hein, 2 kilos. Hein. Ouais, 5 à 3. Non, ce serait débile. Ce serait complètement con. Ce serait énormément. Parce que, hein, faut le crafter aussi le machin. Hein. Ça prend. Bah, ça prend, on peut regarder. Ça prend 50 heures. Voilà, ça nous prendrait, voilà, 32 heures pour nous, avec ça. 32 heures, ouais, non, ça ira, quoi. Ça ira, j'ai pas envie de passer 32 heures à crafter ça. Bon, bah, c'est nickel, on a cuit beaucoup de viande. Il y a que de l'eau, en fait, qui nous manque, j'ai envie de dire, à la limite, un peu d'eau. On a de la viande à 1 kg, c'est très bien, à 1100 et quelques. Là, on est tranquille. Honnêtement, on est tranquille. Ah, je suis content. Je suis très content. On est très bon. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a un truc en plus. Merde, je vois rien du tout. Conserve. Je pense qu'on est nickel. Je pense qu'on peut partir. On peut dormir sur nos deux oreilles. On est bon. On est encore très bon. On va essayer de récupérer le plus de vie possible. Et on va pouvoir bien se balader. Ça va, je suis content. Et on va explorer. La prochaine fois, on continue l'exploration, en fait, du coup. La prochaine fois, on continue notre petite exploration. Et on va... Et puis voilà. Voilà. On a déjà fait un loup, un ours. On a les trois loups. Les trois loups, on va les laisser, je pense. Honnêtement, je m'en fous un peu. C'est pour la fatiguer que je fais ça. Je m'en fous un peu du loup, des loups. Vu qu'on a 10 boyaux déjà. Et ouais. On va explorer. Voilà, on continuera. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.